Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce qui va vous permettre de trouver la tenue de Tingle. Alors, je vous montre où on se trouve. On est sur les monts Géminées et j'ai mis une amulette de téléportation près de la grotte. Allez, c'est parti. Vous escaladez. S'il y a une énigme qu'on va résoudre pour vous. Donc je vous laisse regarder pour les pierres. Et ça va ouvrir le mécanisme de la porte qui va vous donner accès au premier coffre. Donc évidemment, on va le chercher. Ce qui nous donne la combinaison de Tingle. Allez, on enchaîne avec le deuxième. Va se trouver ici. Donc pareil, j'ai mis une amulette de téléportation pour plus de facilité pour la soluce. Voilà, on se trouve à la pointe. Je vous rappelle quand même que cette quête fait partie des quêtes du trésor de Lambda. Hein. Donc si vous souhaitez les activer. Voilà, et ça nous donne accès à la grotte du Cap du Bord. Alors vous allez monter sur cette planche. Et là, vous allez tout simplement siffler. Ce qui va vous donner accès à la suite de la grotte. Allez, donc on progresse. Droit devant. On monte sur la planche. On montre à chaque fois où ça se trouve, hein. Infiltrer. S'extrait sur la poupe du bateau. Et le coffre se trouve, voilà, derrière les planches en bois. Les coffres en bois, les boîtes en bois, comme vous voulez. Allez, on continue. Donc, je retire mon amulette. Je remplace, j'efface ma balise. Alors, le prochain va se trouver ici. Donc, je vous laisse bien placer votre balise. Je dézoome. Alors, on va stepper ici, au sanctuaire de Tuma.
Donc on progresse. Alors cette solution, c'est vraiment, on vous la simplifie au maximum. Il y a énormément de recherches à faire, mais je suppose que si vous regardez, c'est que vous savez de quoi je parle. Donc là, vous voyez un espèce de halo lumineux. Ça vous donne une sorte de repère. Vous sortez votre artefact miroir, hein, c'est pareil. Donc on m'avait repris, parce que je ne sais plus ce que j'avais dit, un losange, alors que c'est un hexagone. Hein. Voilà. Désolée, je ne vais pas recommencer toutes mes solus parce que je me suis trompée. Hein. Ça arrive, surtout quand on fait des centaines de solus comme moi. Donc cet hexagone a été activé et on va pouvoir continuer. Vous pouvez, hein, comme vous voulez, hein, vous pouvez taper les ennemis. Vous savez, hein, pour ces monstres-là, hein, les éléments, l'eau, la foudre, le feu, la glace. Vous avez bien compris qu'on va essayer de se débarrasser du sable. Hop. Un bon coup d'aspirateur Dyson. Et on a accès au coffre. Voilà, donc on a obtenu la troisième partie de cette armure. Donc. Qu'on équipe. Il y a la classe avec son petit legging, son petit boxer moulant. Donc on va aller voir auprès de la fée pour voir ce dont il a besoin. Quelle dégaine, quel style. Allez, s'il a fait, c'est... Oh, ah. Oh. Elle est super gênante. Bon, du coup, ce vêtement ne peut pas être amélioré. J'aurais pensé quand même que, vu qu'il y a pas mal de fanservice qui sont améliorables dans Tears of the Kingdom, qu'il y aurait moyen peut-être d'améliorer cette tenue. C'est pas le cas. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment purement pour nous faire plaisir du fanservice, hein, vu que c'est pas une tenue qu'on peut améliorer.
J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle soluce. Bye bye les amis!